Bonsoir à tous, c'est Plixo, on se retrouve aujourd'hui sur Graveyard Keeper. Donc aujourd'hui, j'ai l'intention clairement d'avancer sur la création de la série, enfin au grand arbre. Je sais plus comment ils appellent ça, mais on va créer ça en vitesse. Et je sais qu'il nous faut une hache niveau 1 que l'on a créée puisqu'on en a deux. D'ailleurs, si je peux garder la hache propre pour moi, autant le faire. Il faudrait que je récupère un petit peu de flitch. Non, flitch, c'est des dos. Et pourquoi j'ai dit flitch? Ça doit être la version anglaise. J'ai regardé un petit peu de vidéos sur ce jeu hein, depuis le dernier tournage. Et je crois que ça doit être dû à ça. Donc, 16, une hache... et des clous. Normalement, on a ce qu'il faut. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Et on a l'énergie pour aussi. Tout devrait aller bien. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Inquisiteur, mais je suis pas du tout motivé à aller voir l'Inquisiteur. J'ai pas envie de l'aider plus que ça. Je sais qu'on va devoir avancer, mais... j'ai pas envie de l'aider à brûler des sorcières. Sachant qu'on a besoin de notre sorcière. Ok. Intéressant. Intéressant. Je prends note. Peut-être qu'il faut amener... je pense qu'il faut amener le zombie ici. On va amener le zombie. Et on va voir ce que ça peut faire. Parce que s'il peut nous miner du bois... miner du bois, oui. S'il peut nous récupérer du bois en continu et qu'on ait juste à venir le chercher, c'est une bonne nouvelle. Ça va nous faire avancer. Bon, il n'y a plus de carottes, ce qui veut dire qu'on ne va pas recevoir de cadavres. C'est vraiment mauvais, mais c'est pas grave. S'il peut nous permettre d'avancer sur le... s'il peut nous permettre d'avancer, récupérer plus de ressources, je prends. On va aussi aller miner un petit peu de charbon. Parce qu'on est clairement en manque de charbon. Et je pense qu'on a de quoi miner quelques temps, récupérer pas mal de charbon. Et l'idée, ça va être de crafter le plus de choses possible. Là, il va falloir qu'on crafte tout ce qu'on peut, en fait. Ouais, je peux le mettre ici. Parfait! Ah. Oh, c'est lent. Bon, bah, bon courage! Ah, ça va être long. Ça va être très long. Après, ce zombie n'est pas particulièrement bon, de ce que j'ai vu. Donnez-moi du charbon, s'il vous plaît. Il va falloir que je traverse la rivière. Arf. Si je traverse la rivière, normalement, il y a du charbon au nord. Si je me souviens bien, il y a du charbon au nord. Non, je peux pas récupérer ça, dommage. Parfait. On a besoin de ce charbon juste pour cuisiner et aussi pour faire fondre du métal. Fondre du métal qu'on peut revendre ensuite au forgeron. Ah. Oh! Attendez, ma pioche, c'est une pioche rouillée que j'ai? Ah. Bon, eh ben on va aller réparer ça. Puis on a récupéré un petit peu de charbon, c'est déjà ça. On en a récupéré un peu. On peut pas se plaindre. C'est mieux que rien. Hé, hey, il était presque au quart. Aïe. Non. Pas du tout optimisé au niveau des dégâts, mais c'est pas grave. Au moins, on fait des dégâts, on avance. Je peux pas du tout miner là, ça me plaît pas. Arrivé au milieu de la nuit, les chauves-souris disparaissent. Je sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Intéressant. On a encore un petit peu de bois, mais pas beaucoup. Alors, on va déposer tout ça. Solution du chaos, ça on garde. Poutre en bois, je dépose.
Morceau de pierre, je dépose. Ça, ça dégage. Ça aussi. J'ai gardé la prière sur moi. Tout va bien. On va dormir un petit peu. Normalement, aujourd'hui, c'est le jour du... Est-ce que j'ai l'intention... ça sert à quelque chose que j'aille le voir? Je me suis recouché directement. Je crois pas que ça serve à grand chose d'aller le voir. Je vais regarder si je peux chauffer des choses. Non, j'ai pas de pain. Par contre, je peux faire des pommes. Allez, c'est parti, on va faire des pommes. Il faut que je répare ça. Je vais réparer la pelle aussi au passage, ça peut pas faire de mal. Et ma hache aussi. Normalement là, je vais plus avoir à trop m'en servir. Oh, c'est resté dans la malle, parfait. Ça, j'aurais pu m'en débarrasser. La pierre tombale, il faudrait que je la pose. Donc c'est bon, ça c'est bon, on avance. Il faut que je mette des carottes. Je vais m'occuper de mon jardin un petit peu. Ah oui, j'avais oublié que j'avais posé des choses pas très intéressantes ici. Je vais les supprimer tout de suite, ce sera fait. C'est pas pour ce que ça me coûte en énergie, si ça coûte beaucoup en énergie, mais c'est pas grave. On a pas mal de carottes. Parfait. Les plantations avancent. Je sais pas ce qu'on va y mettre, mais les plantations avancent. Alors, carottes, une fois de plus, carottes. Ici, je vais planter autre chose. Avant, je vais essayer de planter... Non, je peux plus... J'ai plus rien à planter? J'ai plus rien à planter. Alors ça, c'est un problème. Non, il me faut plus de carottes. Le chou, je peux pas en planter plus. Donc là, on a un problème. On a plus de graines. On a officiellement plus de graines. Journal du gardien. Si, attendez. Oh, faut que j'aille le voir. Faut que j'aille le voir vite. Il me semble que l'Astrologue voulait le journal du gardien. Il faut absolument que je le voie. Normalement, je suis pas parti trop tard. Ça devrait le faire. J'espère. Eh, ça va peut-être être chaud. Ça va peut-être être un peu chaud. Non, ça va le faire. Tant que le soleil commence pas à se coucher, on devrait être bon. Et on va quand même être limite à mon avis, mais bon. J'ai confiance, tout ira bien. Tout ira bien. S'il te plaît, l'astrologue, te barre pas. Tout ce jeu, il est basé clairement sur du timing avec les PNJ. Il faut absolument bien timer son coup, sinon on voit pas les PNJ. Te barre pas devant moi, te barre pas devant moi. Ok. Toutes les choses importantes qui doivent se trouver dans le livre, c'est fabuleux. Parfait, bah c'est fabuleux. Tu t'es pas senti aussi vivant parce que... Non, crois-moi, il y a des gens beaucoup moins vivants que toi là. Alors, comment est-ce qu'on peut ouvrir le portail sur la colline aux sorcières? Fabriquer un laser spirituel. On sait pas ce que c'est. Parfait. Sur le piédestal situé devant le portail. Un émetteur et un canon. Ok. Trois parties de l'émetteur. Miroir de l'orgueil, charbon ardent éternel et fourchette salée. Quoi? Et pour le second élément, la seconde partie du texte du livre est couverte d'une substance coulante. Il va essayer de la nettoyer. Il a besoin d'acide et d'outils de restauration pour la nettoyer. Ok, donc on doit lui rapporter de l'acide. Et outils de restauration. Est-ce que je peux trouver tout ça?
Trouver en ville, ok. L'âme de la ville? Ok, on va aller jeter un œil au piédestal. Recette de l'acide, parfait! Alors, il a abandonné la chimie il y a des années. Trouver de l'acide, il doit y avoir une vieille femme dans les marais. Elle est un peu cinglée, mais autrefois, elle vendait des divers produits chimiques. Ok, c'est intéressant. Et l'outil de restauration, où est-ce que je peux trouver ça? Ah, l'Inquisition les a tous détruits. Ah! Au marché noir, ok. Parfait, donc on peut aller parler à Serpent pour ça. On avance. On avance. Donc là, beaucoup de choses qu'on veut faire, c'est avec la sorcière et Snake. Principalement Snake. Qui lui va pouvoir nous aider à trouver tous les items dont on a besoin pour le laser. Je pensais pas parler de laser dans ce jeu. Je pensais clairement pas parler de laser un jour dans ce jeu. Je pense que construire le laser, c'est une mauvaise idée. Enfin, construire le laser tout de suite, c'est une mauvaise idée. Si l'Inquisition le voit, on va se faire démonter. Après, je dis ça juste comme ça. Hein. L'Inquisition, brûleur de sorcières, tout ça. D'innocents. D'innocents, on va rien dire. Hein. Voilà, des innocents. Je vais essayer de passer quand même à la colline, voir si ça nous a débloqué un truc sur le piédestal. Qui sait, on peut... Peut-être. Mais l'important là, c'est déjà qu'on a des zombies. Et on peut faire plus de zombies. Normalement. Je sais pas trop comment, mais on peut. On a des solutions du chaos et des jus de zombies. Donc normalement, ça devrait être bon. Y'a rien à voir par ici. Une embuscade? Attendez. L'Inquisiteur a fait un mauvais rêve à propos de ce portail et des fanatiques. Du coup, on attend les fanatiques ici. Genre maléfique. De mèche avec les sorcières, ok. Ok, il cherche à tuer le roi. Pourquoi? Ils mettront un terme à la Grande Inquisition. C'est une bonne idée. Non, j'ai rien dit. Vous perdrez votre travail. Vous pouvez faire autre chose. Hein. Ah non, je suis le gardien du cimetière. Et je m'en vais d'ailleurs, oui, t'as raison. Quand ils seront pas là, oui. D'accord, faudrait se débarrasser des gardes, oui. Ok, j'avais raison, fallait pas y aller. C'était pas une bonne idée. Je vais essayer de récupérer, tiens, mes vignes. Peut-être que j'ai des vignes de près... Oui, non, j'avais plus assez de graines. Je me souviens, j'avais plus assez de graines. Il faudrait que j'en rachète, d'ailleurs. Est-ce que je peux faire du vin? Là. Est-ce que j'ai la technologie pour le vin? Oh. Établi l'église. Non, mais je l'ai déjà, ça. C'est bizarre. Cube à distiller. Hein. Table de résurrection. Ça c'est intéressant. J'ai pas les ressources pour, mais c'est intéressant. Non, j'ai pas la technologie pour encore. Et ce serait bien que je l'aie. Ouf! Ah oui, non, c'est pas pour tout de suite.
J'ai des choses à déposer ici. Non. Non, j'ai rien à déposer. Par contre, j'ai des choses à déposer dans ma... dans mon... sous l'église. Ça fait tellement du bien de pouvoir se balader sous l'église comme ça. Non, ça, ça vient pas ici. Ça, ça peut aller ici. Ça aussi. Pourquoi j'ai encore des bâtons? J'ai dû récupérer un buisson. Ça et ça ici. La clé, elle peut venir, elle peut aller là. C'est pas un problème. Est-ce que j'ai des choses pour de l'alchimie? Ça va rester ici, je pense. Ce sera très bien. J'ai des choses à décomposer. Est-ce que j'ai d'autres choses que je peux décomposer? Ok, visiblement non. Et ça va me donner... une solution de ralentissement. Que j'ai déjà. Mon église est de bonne qualité, mais pas mon cimetière. Mon cimetière est de mauvaise qualité. Ah. Il faut vraiment que je trouve moyen de remonter la qualité de tout le cimetière. Et je pense que ça va aller par créer plein de d'items plus jolis. Et potentiellement avoir plus de cadavres. Mais ça, pour le moment, c'est hors de question. J'ai pas les ressources. Enfin, c'est pas hors de question, mais j'ai pas les ressources pour le moment. Il faudrait que je récupère plus de pierres. On a récupéré un petit peu de charbon, mais c'est pas suffisant. Ok, j'ai récupéré des champignons. Parfait. Oh, mais c'est cool les champignons. Je devrais essayer d'aller dormir. Ouais, je vais essayer d'aller dormir parce que là, c'est le jour où je dois faire la prière. Et on est le matin et je suis sans stamina. Ce qui est un problème. Après, je peux le faire un peu n'importe quand. C'est pas non plus un gros problème. En tout cas, si on a besoin de bois, maintenant, on a un zombie qui en fait en continu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est cool. On va pas manquer de bois. Par contre, ce qui serait bien... J'ai vu une espèce de truc de transport. Non, ça va pouvoir dégager. Ça, c'est... Non, c'est ça que je voulais. Normalement, je devrais réussir à faire... à réussir le serment et gagner 3 de foi en plus. C'est moi ou on a un peu plus de monde qu'avant? Notre église est merveilleuse. Tout est bien. Parfait. Sympa. Nickel. Bien. Bien. Bien un petit plus. Parfait. 4 de fois. Bon, bah, parfait. Superbe serment. Parfait. Merci. 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 Ça sert pas à grand chose, mais merci. J'ai de la foi, ce qui veut dire que je peux faire de la recherche, sauf que je crois que je n'ai plus de science. Poisson. Il est de qualité, ok. Église, l'église a pas bonne allure, et le cimetière a pas bonne allure. Et je peux rien lui acheter à part une prière que j'ai déjà. Pourquoi je peux pas les... Ah non, je peux les lui vendre, mais je peux pas les lui acheter. C'est des prières qui donnent des bonus. Ça, c'est intéressant. Je pense qu'on va se concentrer sur améliorer le cimetière pour le moment. Je sais pas si je peux améliorer, si je peux booster le... Est-ce que je peux booster la science? Est-ce que je peux récupérer de la science facilement? Je ne sais pas.
peux faire des pierres tombales, autant les faire. On va en faire une deuxième, ça fera pas de mal. Ça coûte assez cher, hein. Ça coûte assez cher. Est-ce que j'ai autre chose? Je peux faire des clôtures en bois, mais c'est pas très intéressant. Non, là-dessus, c'est pas intéressant non plus. Non, ce qui serait bien, ce serait limite de faire un autre zombie. Mais comment? Parce que j'ai pas encore la table de résurrection. J'ai pas la table de résurrection et ça, c'est un problème. Ok, cette tombe à moins... Attendez, il y a une tombe à moins 1 là-bas. Ouais, je peux pas y faire grand-chose. Ça, par contre, je peux retirer la pierre tombale. Et mettre une bonne pierre tombale. Est-ce que celui-ci peut monter plus haut? Non. Oui. Il peut monter plus haut, ce qui veut dire que je peux poser ça et gagner un point de plus. Ce qui est pas mauvais, et je dois monter que à 20. Je dois monter que à 20, donc c'est pas excessif. Ah, je les ai mis ici, d'accord. Est-ce que j'en ai une sans rien? Non. Elle pourra aller ici, c'est pas grave. Oui, je dois le monter niveau combien? 30. Ah, bah ok. Je pensais que c'était 20. Bah, ma faute. Je pensais que c'était 20. Raté. C'est un foirage. Donc, ce qu'il faudrait... Ok, il faudrait ça, déjà. Piquer... Poutre est parti en fer simple. Combien de... 10 piquets et 2 et 4 fer simple. 10 piquets, 4 fer simple. Il faut que je m'en souvienne. Et une poutre. Mais ça, les poutres, je les ai. Voilà. Pièce simple, j'en ai pas. D'ailleurs... Oh! On a officiellement bientôt plus de métal. C'est une bonne nouvelle. Ok, je vais en faire deux. Je vais en faire deux parce que je suis quasiment sûr qu'il faut la même chose pour un autre qu'on n'a pas détruit. Et les piquets en bois qu'on fait à côté. Bon, je vais dormir. Mais on va pouvoir ouvrir tout le dessous de l'église. Ce qui est important, je pense. J'en sais rien, en fait. J'en sais absolument rien. C'est un vrai problème, j'en sais absolument rien. Mais si on peut se balader sous là-bas, Oh. Parfait, quelques billes de bois. On va pas s'en plaindre. Je vais en faire 20 parce que je sais pas pourquoi je sens que je vais en avoir besoin d'un peu plus. Si c'est deux fois le même sous l'église. Si sous l'église c'est deux fois le même, ça pourrait être intéressant de débloquer les deux directement. J'ai encore un bout de pain, ce qui veut dire que j'ai potentiellement de quoi me débrouiller pour... Ouais, c'est deux fois le même. Parfait. On va avoir tous les souterrains de libérer. Avec un squelette sur le mur. Tout va bien. Parfait. On peut se déplacer partout sous l'église. Enfin, église, maison, un peu partout en fait. Palette, poste de préparation. Poste de préparation, on en a déjà un. Non, ça c'est une table d'autopsie. Ok. Qu'est-ce qu'un poste de préparation?
Je vais essayer d'en construire un. Donc c'est... Ah, c'est des pièces complètes et des clous. Je sais pas pourquoi je sens que c'est la table d'autopsie. Je sais pas pourquoi, mais... Je vais essayer de voir. Donc... Poste de préparation, je sais déjà plus ce que ça demandait. Je crois que c'était des pièces complexes. Je crois que c'était des pièces complexes. Je sais plus combien par contre. Ah, pas grave, il va falloir qu'on aille dormir. Non, non, on va pas aller dormir. On va aller... J'ai la foi sur moi, parfait. On va passer par les souterrains. On va aller en ville et on va aller voir Madame Charme. Parce que c'est sa journée aujourd'hui. Et Madame Charme va peut-être vouloir me parler maintenant que j'ai de la foi. Je m'éparpille un petit peu. Je sais que vous me l'avez dit dans les commentaires. Je m'éparpille un petit peu. J'essaie de toucher à tout. Et vous en faites pas. Oui, c'est encore moi. C'est 5. Merde. Bon, bah, c'est 5. Hein. Dommage. Est-ce que je peux lui acheter du... Non, je crois que j'avais déjà regardé. Ça, par contre, c'est intéressant. Je vais acheter ça parce que je sais ce que c'est. C'est une pierre de téléportation. Et c'est super important. Parce que, par exemple... Et je peux aller chez moi. Et ça permet de se déplacer quand même vachement plus vite. Et ça a un certain temps de régénération. Hein. C'est pas non plus abuser des ténèbres. Je crois. J'ai juste regardé. Est-ce qu'elle a un nombre d'utilisation? Non, elle a pas de nombre d'utilisation. Bon, par contre, on peut pas non plus l'utiliser toutes les 2 secondes. Ok, j'ai fait 2 pièces de fer complètes. Est-ce que j'en ferai... Non, je vais en faire une de plus, juste pour être sûr. Et je crois que c'est ici que je veux faire ça. Là, j'ai des doses. Et je sais plus combien il m'en faut. Donc, je vais aller tout de suite dans les souterrains et on va voir combien il nous en faut. L'objectif, là, c'est vraiment d'avancer et de faire... il m'en faut 2 de plus des clous. Ok. J'ai pas dit 2 de plus, j'ai un stack de... C'est un stack complet de plus. Je crois que je suis complètement décalé, mais c'est pas grave. On est en pleine pluie. Dose, et il me faut 8 clous, je crois. Ce qui est un craft de clous. Il faut que je pense à récupérer le bois que j'ai là, et j'ai coupé un tronc ici, je vais l'enlever tout de suite, ce sera fait. On va pouvoir aller regarder ce que fait une table de préparation. Très sérieusement, si c'est... La même chose qu'une table d'autopsie, je pète les plombs. C'est une table d'autopsie. je m'en doutais un petit peu, je vais pas vous mentir, je m'en doutais un petit peu. Ça me surprend pas du tout. Et j'en suis très très malheureux. Non, j'ai pas de science, donc je peux rien... Attendez, quoi? Comment j'ai fait pour avoir de la science? J'avais plus de science du tout. Poudre d'accélération, cendre, os. Je dois pouvoir faire quelque chose pour refaire de la... Non.
J'ai rien pour faire des... Ça, c'est bizarre, par contre. Ça, c'est très bizarre. J'ai mon mélangeur à main. Quel serait l'établi d'alchimie? Ce serait potentiellement la suite. Le broyeur alchimique aussi, mais j'ai pas la pierre polie. L'établi d'église, on est d'accord que je l'ai. Oui, l'établi d'église, je l'ai. Saut de sang. Ah. C'est peut-être pas une bonne idée. Si je fais du papier propre, est-ce que je peux le revendre? Non, c'est une vraie question parce que si je peux le revendre et je pense pouvoir le revendre, et ce serait à l'astrologue. Mais si je peux lui vendre, je peux lui acheter un bouquin qui me permet de produire de la science. Et adieu mes problèmes d'argent. Je pense que l'idée est bonne. L'idée est là. On a une idée là. On touche quelque chose. C'est le jour du marchand. Est-ce que je passe voir le marchand? Est-ce que je passe voir le marchand? Le marchand, il a besoin de quoi? Licence commerciale, remède pour la malédiction. Sauf que il nous faut. Une citrouille de qualité argent. Ok. Donc je sais ce qu'il faut que j'aille acheter, c'est des graines de citrouille. Et c'était peut-être pas la meilleure idée de passer par là, mais c'est pas grave. Ça, c'est des graines de vigne, ça, c'est un poisson royal. Il faut que j'aille acheter des graines de citrouille. Que je pense pouvoir acheter à cette personne en bas. J'espère. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà regardé ça. Ouais, j'avais déjà regardé. J'avais déjà regardé, il me semble. Et je peux lui vendre des légumes, ce qui veut dire que je peux prendre mes légumes et aller les lui vendre, sachant que j'en ai beaucoup trop. Ça va peut-être aider à augmenter ma relation avec lui. Et peut-être du coup, je dis bien peut-être pouvoir acheter des carottes. Oh la vache. Ok, j'ai beaucoup trop de plantes. Mais c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise chose, soyons d'accord. J'ai plus d'énergie. Parfait, j'ai de quoi finir ça au moins. J'ai plus du tout de graines de betterave. J'ai toujours des graines de carottes. Ça, par contre, c'est pas un problème. J'ai ce qu'il faut, hein. Alors, je vais aller déposer un stack un stack de carottes. Je vais prendre. Je voulais pas tout prendre. Je vais en prendre 32. Je vais relancer aussi quelques tas de fumier et normalement, je vais aussi pouvoir déposer quelques carottes qui va me ramener des carottes. De toute façon, il faut que j'améliore la qualité de mon cimetière. Donc j'ai besoin de ces carottes. Ça va pas me faire de mal. Avant de dormir, ça va pas me faire de mal de récupérer ça.
Ça l'a fait. Je pensais pas que ça le ferait. J'ai eu très peur. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais aussi prendre... En fait, je sais pas à quoi elles servent. Et je vais reprendre des graines la prochaine fois que j'y passerai. Peut-être que ça va faire monter ma relation avec lui. Et j'ai besoin de cette citrouille. J'ai besoin de ces citrouilles. Aujourd'hui, c'est la journée de Snake. Intéressant, je sais pas ce qu'on va faire avec lui. Faudrait peut-être que je descende dans le donjon. Peut-être. Aucune idée. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à dans la prochaine vidéo !